Et salut à tous, c'est Ghostnet85, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Company of Heroes. Donc à la suite de nos missions de la campagne Codiex, et cette fois-ci c'est le co-op, donc enfin 1944 D-Day, donc nous sommes en compagnie de... Moi-même. Et c'est qui? C'est moi. Et c'est qui? C'est Jean. Et donc nous allons débarquer sur la terre de France, l'opération Neptune. Et lancé, on se retrouve. Neptune, Overlord. Use démolition touche. Oh, June. 6 juin 1944. Ok, utilisez les ingénieurs pour placer des démocharges. Ok, faut placer des démocharges. C'est bon, de mon côté c'est fait aussi. Attends, attends, on fait péter en même temps. Hein. Ah, ça c'est déjà fait? Non, 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 c'est pas fait. Bah, moi justement je vois plus de barbelés. Bah, pourtant ma charge est passée. Ah, oui, elle a fini ta charge. Enfin, je l'ai mis ma charge, faut juste la faire sauter. Bon, bah, ok, j'ai un petit bug alors. Bon allez, je fais sauter. Ouais, moi aussi. Ok, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. comment il s'est calme et tout. Ouais, j'avoue. Par contre, on n'est pas censé avoir des renforts. No, next wave of reinforcement. C'est marqué. Waouh. Oh mec, on prend une kékesse de mon côté. Oh oui! Moi j'ai juste quelques bunkers. Mais d'où il y a un sniper? Là. Ce qu'ils auraient dû faire pendant le débarquement, c'était de balancer des fumigènes sur la plage. Ça aurait marché. Voilà. Comme ça, ils allaient pas crever comme nous. Ah merde, mon génie. Oh regarde, il y a les glandeurs. C'est bon, moi les mitrailleuses ont été niquées de mon côté. Ah moi pas du tout là, moi je me suis fait démonter mec, me laisse tomber. Faut neutraliser les ovitzers, faut neutraliser les flaques et neutraliser le bunker de commandement. C'est bientôt la prochaine vague de renfort. Mais j'étais mauvais sur ce coup. T'as tout perdu? Mais oui mec, je me suis fait éclater. Ah ouais. Sérieux, mes soldats ils se sont couchés. Et vu qu'ils pouvaient plus avancer à cause des mitrailleuses, j'ai reçu des obus de Nawak et je me suis fait défoncer. En plus il y a un canon anti-char qui me défonce. En plus il y a des mortiers. Non. Mais comment tu fais pour avancer alors avec toutes ces mitrailleuses? Je sais pas. Mais ceux-là ils sont fait juste défoncer. Avancez bon sang. Les ordres arrivent. Ouais, par là-bas, on se prend des tirs. Ah, c'est bon. Waouh, 5 fusillés. Mais ouais, mais vas-y mec, à peine ils viennent de spawner qu'ils sont déjà défoncés à coups d'obus. Mais calmez-vous, ouais. Les blobs pas, fais des petits groupes, comme ça ils seront écartés et ils seront pas tous MGisés. Nos blancs. Ok, moi perso je commence à rentrer dans les terres. Regarde tous les soldats que j'ai, ils sont même pas capables de tuer un sniper. Et fais gaffe, les envoie pas comme ça aussi. Mais je leur demande de sauter les tranchées, mec, mais ils font n'importe quoi. Allez vous faire tuer. Mais ils sont tous débiles quoi, je leur demande de grimper ici, ils m'écoutent pas. Et tu peux pas monter ces collines aussi. Mais mec, s'il te plaît, je sais que c'est des... S'il te plaît quoi, la colline elle fait 50 cm. Allez, faites-vous défoncer les gars. Putain mais en fait je suis débile. Ah non en fait non mais mec...
Pour défoncer cet MG qui vise le milieu, je peux passer par là, je vais me dire. Mais regarde. Mais non, non, faut que tu te mettes à côté, faut que tu te mettes à côté par contre. Tiens, le mec, une unité c'est d'infanterie, c'est fait dégommer. Rectification, toutes mes unités d'infanterie sont fait dégommer. Mec, mais regarde tout ce que t'as. Mais normal, moi je les envoie pas au casse-pied quoi. Putain, j'ai récupéré un pack. Hey, mais comment ils font tes soldats quoi, pour être encore en vie quoi. Les mecs ils sont défoncés. Le micromanagement. Ah, y'a le flag qu'il faut détruire ici, t'inquiète, t'as tes nouvelles vagues. Au pire, envoie-les de mon côté. Tu les enverras par là. Ce sera plus facile, je pense. Ouais, parce que toi, mec, regarde. Toi, t'as que ça à passer. Non, j'avais ça. De l'autre côté, j'avais sniper, Ostruppen, la bunker. C'est assez espacé. Moi, c'est entre là et là. Et bah, tu te rapproches de ce bunker, tu mets une grenade, boum, c'est fini. Mais mec, si, je peux pas m'approcher parce que c'est ce bunker là qui couvre son copain. Bah alors t'en fumigène un et l'autre il se fait déglinguer normalement. Ouais, passe de mon côté. Là ils vont se faire MG hein. Mais non, il y a une MG comme ça. Oui, mais vas-y, mais mec, il y a des bunkers. Ils ont tourné leur mitrailleuse, mais ouais, je me suis foutu. Ils vont où mes soldats, wesh? Là. Mais j'en peux plus, mais c'est ici mes soldats. Puissance 1000. Là, balance la lap. Passe-les pas aussi près du front. Ah mais mec, t'inquiète, regarde, je défonce un peu la ligne. Mais regarde mes fumes. Mais si je défonce tout le bunker de nous, peut-être. Il me reste une unité de fusil. Pas moyen de les renforcer. Donc... T'inquiète, c'est bientôt la prochaine vague. Sois sûr de les passer de ce côté. Mais non, mec, j'ai déjà affaibli ici. Bah tout ouais, mais ça sert à... Bah tu... Attends, bah, je t'envoie des unités pour y aller. Comme ça, ce sera encore plus affaibli et tu pourras attaquer. Comment tu fais pour avoir autant d'unités? Bah je les perds pas. J'ai géré avec les premières, je les ai un peu trop utilisées, du coup il y a les deux vagues qui sont venues et j'ai pas fait attention. Allez, ma dernière troupe. Ma dernière troupe, t'en vas en mode Al-Qaïda. Vas-y, cours, négro, cours. Par là-bas.
c'est un peu mieux. Il me reste un seul ici. Tout ce qui me reste, c'est lui. Bah toi, tu vas rejoindre les soldats de la deuxième, la 5e ou 6e vague. J'imagine en vrai, il y a vraiment eu autant de vagues. Peut-être, ouais, à savoir. Oma, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Mais gars, Oma, ils ont des tarifs aussi. Oma, ils ont ramené tous les rangers qui avaient de... les rangers qui avaient la pointe du Hawk qui était en renfort, ils les ont... Enfin, qui devaient débarquer s'il y avait souci, et ben ils ont... ils sont allés sur Oma. Je suis pas en retard, je comprends pas. Tous les soldats qui attaquent, ils sont tous à toi. Non, poussez dans les terres, poussez dans les terres. Oh là là. Il en prend Xar 4, ouais. Il y a un truc ici, là, je vais aller voir. Ouais, ouais, c'est un flak qu'il faut niquer. Mais il faut d'abord niquer la côte ouest. Je passe par derrière, tout dégommé par derrière. Mec, je vais m'engouffrer ici, gars. Ouais, non, il y a le flag. C'est tout le monde important. Ah mais la turbine, tu vas aller. Détruis-le. Mec, mais ils disent que le... Allez, rentrez tous dans la... Rentrez tous là-dedans les mecs. Mais bonhomme, ils se prennent des mines et ça leur fait pas beaucoup. Mec, mais s'il te plaît, ça fait deux grenades que j'ai envoyé dessus. Comment il fait? T'es encore en vie, wesh. Et, mec, il tire tout seul, y'a personne dedans. Ah, la nouvelle vague est arrivée. Comment les enfants, faut pousser là. Moi, ouais, vraiment, le seul problème, c'est ce putain de char. Ils ont renforcé leur défense. Utilise des grenades dans le char. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de... J'ai un pack. C'est bon. Attends, mec, j'ai capturé leur Howitzer. Attends, tu le veux peut-être? Ah, mais attends, il y a des Panzer Shrek ici. Tu le veux, ouais, le Howitzer? Il y en a aussi là. T'inquiète, t'inquiète. J'ai une équipe de Panzer Shrek. Tu le veux ou pas, le Witzer? Non. Ok, je le prends. Oh, on peut pas le prendre de toute façon. Bon, il faut quoi les soldats de la prochaine vague? Oh, une MG42 libre. Gars, je suis en train d'aider tes gars sur le côté. Ouais, ouais, ah oui, ça c'est ma toute première vague. T'as récupéré une MG42. C'est bon. Waouh, mec, ils font passer du des renforts là, ouais. Oh, vite, allez. Y'a pas les duplex là qui doivent arriver là quelque part. Parce qu'on en aurait besoin là, des Sherman duplex là. T'as besoin des canons anti-char ou pas? Non, pour l'instant ça ira. Je t'envoie un peu d'infanterie pour que ce soit un peu plus vite.
On va un peu plus vite, hein. Mec, c'est fini pour mon soldat. Wow. Mais ils m'ont défoncé, mec, laisse tomber. T'en défoncer où ça? Là, 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 tout le reste que j'avais, ils m'ont tout défoncé. Ah, merde. Bah, moi, j'ai mis un pack là. Il y avait deux chars aussi. J'ai mis un pack, moi, par mec, non. Mec, prends le pack avec ta première vague. Ouais, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Ah non, je vais faire ça avec eux, comme ça. Mec. T'inquiète, recule. Attends, t'as besoin de visu. Non, t'inquiète, il y a cette unité. C'est ma première vague, donc je m'en fous, perso. Oh, attends, il a besoin de bouger le canon de char, il est aveugle. C'est bon, je peux niquer. Ah, la nouvelle vague est arrivée. Moi, en fait, je suis en train de débarquer à l'opposé de là où je devrais être. Bon, en soit, tu peux ici, hein. Normalement, c'est clair. Ah, peut-être pas ces bunkers. Mais Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un peu comme vraiment dans Oma, parce que j'ai réussi à passer à l'endroit, toi t'as pas réussi, du coup avec une autre vague t'es venu à l'endroit et on a poussé, on a réussi à tout sécuriser à partir de cet endroit, quoi. Parce que mec là j'ai galéré, j'ai des billes. N'hésite pas à prendre... t'as beaucoup de mines ou pas? Oh. T'as beaucoup J'en ai 82, je suis en train de reprendre des caisses en fait. Ah ouais, vas-y. Que moi j'ai tout utilisé dans les grenades. Regarde, bah, et... c'est dispersion des streams. Ils sont là, les gars qui sont en haut devraient être avec les gars qui sont en bas, quoi. Alors je les recoupe tous. Bon. Bon, autrement, la plage est sécurisée. Maintenant, faut niquer le dernier Rovitzer. C'est quoi ça? C'est... Ah ouais. Faut le trouver. Non, il doit être. Il doit être quelque part par là. Non, ou là. Peut-être, ouais, continue sur la droite, ouais. Parce qu'on peut pas monter plus haut. Y'a rien. Attends, là t'as le premier Ovitzer. Là t'as le deuxième Ovitzer. Et le troisième. Attends, je vais prendre cette vague. Attends, je vais les regrouper par vague, donc une vague c'est 5. Moi je les mets, moi je les bloque tous ici, moi. Ah, ça fait du bien là des renforts. Gars, il doit être là, que là c'est obligé. Ouais, c'est obligé, ouais. Ouais, regarde. Mec, je pense qu'il est, peut-être là. Ah ouais, t'as raison. Il y a même plus de place, ouais. Bah les couilles. Ok. T'imagines, on peut les utiliser contre eux, c'est énorme. Si, dans Company of Heroes 1, je sais pas si t'as vu dans mon let's play. Attends, est-ce que je l'ai fait dans mon let's play? La toute première mission au Maha Beach, là, quand il y avait pas le son. Et ben. En gros, si tu veux, sur la plage, à la fin, t'avais un 88 et tu pouvais détruire les deux 88 qui s'étaient à l'arrière.
Excellent. Oh là là. Mais ce blob, frère. Ok, il faut capturer les villes françaises qui sont au-dessus. Ok, j'y étais prêt. Oh mec, on peut envoyer des chars. Oh ouais, on peut. Non, on voit pas trop, hein. On voit. Ouais. Parce que moi là, je vais maxi blob unit. Hein. Ouais, on peut pas renforcer nos hommes. Ouais. Oh mec, j'ai déjà pris une mine. Quoi. Bah, ouais. Tu peux pas descendre et le réparer. Ici. Attends, je vais attendre qu'il monte un peu. Ouais, c'est pareil. Ouais, faut que tu gardes celui-là en avant. Parce que sinon tu vas sûrement te prendre d'autres mines. Il y avait qu'à demander. Mais regarde-toi, mais s'il te plaît, mais me faire crever en enfer, le mec qui passe, voilà. Ah bim, dans ta gueule. Mec, le gars il passe, s'il te plaît, et puis merde. Ah, t'es rentré dans ce bunker. Allez les gens, on attaque. Eh, on peut appeler des mortiers. C'est cool, c'est des mortiers. Tu kiffes. Est-ce qu'après on pourra renforcer nos hommes pour... Les hommes Franchement, je pense pas qu'on puisse les renforcer. Tu sais, toi, c'est la première mission que tu fais de Codiex. Mais mec, mais voilà, ouais. J'ai avancé 10 mètres mes chars, ils sont déjà pris tous les deux ennemis. C'est bon. Oh mec, on appelle ça la boucherie. Mais regarde cette boucherie, quoi. Tu sais, tu veux quoi, hein? Moi, j'ai une côte de boche, pas de problème. Une côte de boche. On a plein d'une des côtes de boche. Oh, franchement, c'est très bon, hein, j'en mange tous les jours. Mec, lui, il résiste, lui. Mais pas pour longtemps. Oh, mais attends, il y a des trucs ici, wesh. Moi, je veux y aller. Regardez, la triche. Allez, hop, on grimpe. Et hop, on y va. J'ai fait une petite programmation, comme ça, ils avancent. N'empêche, je trouve ça bien les programmations. Moi, tout le monde va ici. C'est l'ordre. L'ordre du commandement. Ah ouais. Tout le monde est censé et doit aller au jardin. Coucou, c'est nous. Y'a personne, y'a dans le champ. Voilà. C'est qui lui? Est-ce qu'on peut l'abattre? Ah non. Il fuit comme on lâche. Regarde, regarde. Y a un qui se replie, 50 qui arrivent. Ce blob. Je t'ai pas pris une mine? J'ai entendu une explosion. Non, non, non. Ah, c'est pas aussi buggé que sur Koursk. Parce que sur Koursk. Ah, mais en gros, les chars que tu sors, c'est pour. Enfin, les renforts à droite, c'est pour nous deux. En gros, tu vois là, tu viens de ressortir d'autres chars. Et ben moi, je peux pas en sortir. Non plus. Bah, c'est moi qui m'occupe des chars. Toi, t'as combien de chars? Un char, ouais, bah, je le garde. Ouais. Mais mec, mais c'est une boucherie, quoi. Merde ça, quoi. Tous ces pauvres Allemands, là, qui vont tous se faire déglinguer. Allez, go, go, go!
Attends, il reste un allemand là, il reste un allemand, je veux qu'il meure. C'est pas bien le fasciste. Le fascisme, c'est pas catholique. Le mec, regarde, il est dans sa petite meurtrière en train de me tirer. Oh, mais il est mort. J'ai pris un screen. Mec, ils sont bloqués. Abruti quoi. Il y en a qui bug. Ils sont tous. Je sais pas, mais cette route je l'aime pas. Je sens qu'il y a un pack ici ou je sais pas. Enfin. Mec, c'est pour ça que je passe par les champs. Ouais, mais moi tu vois, je fais dans la dentelle. Le mec il fait dans la dentelle, mais il va finir par se faire défoncer sa race. Oh, ils suivent mon char, mec. Mec, tu fais shift clic droit de ton infanterie sur un char et ton infanterie va suivre ton char. Putain. Shift et clic droit. Tu prends ton infanterie, tu fais shift clic droit sur un de tes chars et ils vont suivre ton char quand il est en déplacement. Moi, je vais essayer de grenader ici. Mec, il y a des ça tire bien. Ce blob. Attends, j'ai oublié quelques unités. Dommage qu'on a pas des avions. Attends mec là. Regarde, là j'avance mon char. Attends mec, j'ai un petit problème. J'ai le retour du bug des pages internet qui s'ouvrent toutes seules. Ah ouais, il y a bien un pack. En gros un inoffensif. Les Sherman vite. Oh là, la maxi maison blob. Destroke pas gun mec, c'est sympa ça par contre. De quoi? C'est sympa mec. C'est ça les objectifs. Ah oui. Destroy pas gun. Ah oui, ah oui. Non, l'objectif c'est détruire les grosses armes. Heavy weapon. T'imagines là, il y a un B4 volé aux Russes. Alors on a volé un B4 et on a eu la brave idée de le ramener sur notre front. Mec, le pack qui tourne pas, s'il te plaît. Abruti. Oh mec, pendant que mes chars sont en train de se déployer derrière, et mes troupes qui avancent devant. Allez les enfants. Attends, quoi, il y a de l'infanterie ici? Non, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas être encore vivants. Oh oh oh, Lucas. Oh, attends, tu connais Maxi Grenade Anti-Char? Je blobe et j'entends voir les grenades. Vas-y mec, blobe. Regarde. Attends, ils y vont petit à petit, je comprends pas. C'est de la merde ces grenades. Regarde, yeah, c'est un tigre aussi. Non mais j'aime pas les grenades anti-char américaines aussi. Elles sont pas très bonnes. Bon écoute, c'est des soldats courageux. Bon tu sais quoi, j'envoie mon charman. Parce qu'on aura rien à battre. Alors écoute, moi... j'ai fait la technique de la coccinelle sur un éléphant dans course, que tu verras la vidéo quand elle sortira. Mais j'ai fait cette technique et ça a bien marché. Et ensuite j'ai essayé sur un tigre avec quelques T-34-85. Et ben j'ai niqué le tigre. Bon, j'ai perdu un 85, mais j'en avais deux, je crois. J'en sais plus. J'en avais pas beaucoup. Mec, de mon côté, c'est un franc succès. Moi, de mon côté, j'ai juste un tigre. J'ai juste un petit tigre. Mais regarde ce qui vient par derrière. Tu vois, dans quel homme. Eh mec, là, les troupes, elles ont été patchées pour faire moins de dégâts. C'est possible. Ouais, j'avoue. Ouais, ça, c'est vrai, par contre.
Parce que déjà, autant d'unités qui font aussi peu mal contre tes hommes. Et des chars qui font aussi peu Regarde, mal. Hey, tu vois, comme dans Call of Duty 2. Tu vois, dans Call of Duty 2, tu vois, t'as des Sherman et tout, ils te violent des tigres alors qu'en vrai, c'est pas possible. Et regarde les dégâts qu'il fait, le tigre. Il me faut 5 coups pour qu'il tue. Ah, j'ai ricoché contre son cul, par contre. Oula, par contre, mettre le perdre. Voilà. Bien joué. Tu veux pas envoyer des chars? Un char moyen vient d'être détruit. Même temps, ouais. Ok, t'inquiète, j'ai des canons anti-char. Non, 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 c'est pas ça, mais... Mais quand je fais double clic sur toutes mes unités pour les sélectionner, donc... toutes les unités que je sélectionne. Mais attends, il y a un petit village. Ils étaient, tu sais, au milieu, en mode... Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous attaquer? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, bon sang? Qu'est-ce qu'ils branlent? Allez, boum! Allez, les Sherman, on attaque! On attaque, on attaque, on attaque, on attaque! T'inquiète, moi j'ai mes canons anti-char! Moi j'ai mes Sherman. Bon, oh, regarde, t'as vu, ils sont un peu violés, mais ça fait pas regarde, bien. Regarde, ils en ont tellement rien à battre! Mes soldats qui courent! T'inquiète, mes soldats aussi, ils en ont tellement rien à battre quand ils leur tirent dessus! En réalité, il y a le tir, il y a le tir. Oh! Un pack! Destroy pas de gun. C'est bon, moi j'ai des packs et je vais détruire ce tigre. Tiens, allez, déjà il a plus de canon, par contre il y a encore 2 MG. Ça, ça m'énerve par contre. C'est bon, les chiens, vous avez fait le ménage. Ah, l'église de je sais pas trop quoi a été libéré. Ouais, c'est moi qui l'ai libéré. Non, c'est moi, il y a pas de Mec, pourquoi il reste dans la maison, ça? Il y a 3 chamans en face d'eux. Tire à l'obus explosif. Eh mais s'il te plaît, je fais que de ricocher. Allez. Attends, mais il y a le pack qui m'énerve. Obus perforant, les enfants, on y va. Vivant le tigre? Non, il est mort. Ah, t'as détruit. Ah, d'accord, je crois qu'il était encore vivant, donc je repasse un peu des trucs. Attends, mec. Oh, fais gaffe parce que là t'as un pack. Mec, regarde le pack, je vais te faire une petite surprise. Oh, le paponné! C'est moi! Un obus. Jean-Hude. Un obus. Neutralise Heavy Weapon. C'est une victoire. Et en plus on gagne des points. Oh, c'est pas beau tout ça. Voilà. Hop. C'est fait. Voilà. C'est fait, c'est plus à faire. Voilà, mec. Bon, voilà, c'est fait, au suivant. Suivant. La tactique du blobage. Ça marche toujours. Ouais, non, mais ça marche pas aussi bien parce que là ça a été patché les unités, parce qu'un tigre qui arrive pas à tuer des fusillés quand même aussi au groupé, c'est impossible. Moi perso, mes hommes ils pouvaient pas être mis à terre par les MG. Ah, ben les miens, crois-moi que c'était le contraire. Hein. Non, sur la plage ils l'étaient, mais pas après. Assassin fusillé victime dans l'infanterie 239, mec, mais. Mec, c'était du viol. L'allemand en face, il a rien compris. Mais regarde la valeur de l'armée des IA. Elle est super haute, elle descend. Attends, je suis envoyé patienter, wesh. Quand tu verras. Alors, graphique. Alors, attends. Ah ouais, nous, elle fait que de monter. Ah, moi, j'ai pas mal baissé. Par contre, l'IA facile, elle sert à rien, on est d'accord. Alors, IA standard. Ah oui. Lol. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petite, mec.
cette ouais, petite ouais, vidéo. Ouais. Bon, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était bien, je sais pas, toi, JC. J'ai pas l'habitude de blober, donc je me suis un peu perdu. Moi, j'aime bien avoir une armée organisée, mais bon, là, c'était pas vraiment très organisé. C'était là, c'était Nawak, là. Moi, c'est pareil, j'aime bien avoir une armée organisée, pas du blob. Mais bon, là, on n'avait pas trop le choix avec le nombre d'unités qu'on avait. C'était un peu du blob forcé. C'est ça. Bon, ben, normalement, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera... Ou dans la rue, si les gens, s'il y a des abonnés qui croisent, je sais jamais. Non, je pense pas qu'on va direct faire la mission des Ardennes. Bah, attends, y'a quoi d'autre? Bah, y'a... Il y a Arden ou Edskirt of Berlin. Bah, Pierre, on tourne à l'avance et je le mettrai par la suite. Voilà, ouais, exactement. C'est ce que je fais. Donc, on se retrouvera en coop avec Monsieur Jean. Peut-être voir Strum Mike, qui lui va pas tarder à reprendre les vidéos. Je mettrai sa chaîne dans la description. Donc, sur Arden Breakout. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commentaire, partager, tout ça, tout ça. Mettez un pouce rouge si vous avez pas aimé, mais voilà. C'est pour votre santé, c'est pas très conseillé. Non, non mais... jamais. Mais faites comme vous voulez si ça vous a pas plu. Il y a des gens qui arrivent avec des tuyaux rouillés en face de chez vous qui toquent pour venir vous voir. Ne vous étonnez pas. Bon, allez. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine pour une mission. Allez, salut !